you've got my bar. Test the micro and the. Mais le coup, yo, il est là. Aujourd'hui, un nouvel invité. Aujourd'hui, c'est Fataouf. Bonsoir Fataouf. Bonsoir à tout le monde. Accompagné de Shoes. Présent, toujours. Nouvel épisode des jeux multijoueurs en local. Aujourd'hui, un jeu sur un manga très très connu, My Hero Academia. Alors, est-ce que ça se connaît le manga déjà? Totalement. Ah oui, l'obligé, c'est la base. Voilà, donc, on va tester le jeu de combat My Hero One Justice. Jouable. 1 à 2 joueurs, sorti sur PS4, PC, Xbox. On va tester le jeu, on va donner notre avis. C'est parti! Parti! Allez! Chiné! Kakugo, c'est chou? Ouais. Muskie Ba Live. Ouais. D'entrée démontée de bas. Ah ouais. Ça, c'est le catch. On peut bloquer ou pas? Ouais, bloquer c'est... Croix, mais... S'il vous plaît, je pourrais taper. S'il vous plaît. Ah, il te passe tout le bouton, il va te pas... Monsieur. Attends, il peut... Monsieur, laissez-moi, s'il vous plaît. Après, c'est un méchant. Voilà, ah, là, ça, là, c'est pas game au-dessus le miroir. Ça, là, les épileptiques sont par ici. Aïe, catch directement. C'est quoi qu'on peut bloquer? Bloquer, mais quand c'est croix. Non, pas ça, c'est mais c'est la gâchette alors. C'est la gâchette L1 ou L1 ou R1. Voilà, ah, c'est R1. Ça va. Ouais, même tout, tout. Ah! Pas toi, gars, deux rounds là? Street Fighter 2! Le gars, non, un gars manette. Le gars, manette. Déjà? On prend le même. Le gars est challengé alors. Attends, pour que des gros bras. Attends, oui, technique, c'est... Un dévore, Stein. Il tourne tout bas. Les muscles, là. Du muscle que du muscle. Que du muscle. Il faut foutre 2-3 quoi. C'est que de la viande rouge. Ouais, avec les gars de la carcasse alors. J'ai découvert les... La testilène devant derrière. Ils ont compris Japon. Ça sent l'expérience. Ah ouais, quelle expérience! Est-ce que là, la différence et la puissance? Oh là 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 là! Casse-lui! Il prend avantage! Trop de muscles, trop de muscles! Trop de muscles! Ça respire pas! On a pas le temps de bouger! Ça sent le chaos! Et on a Teddy! Teddy, il a du muscle! J'ai mis ce muscle! On peut pas pour vous échanger de personnel, pas un jeu! Un dévore! Les écoutes qui tentent de résister! C'est bon. D'accord, le game t'es déjà fou, hein? La terre, la gasmash! La gasmash! Non, fais pas ça! Et ça pas de blague, ça. Ah, tiens, bon, on peut la vue par contre. Ouais, mais là-bas, la il y a mal au bout, hein? Je demande que Fatou change de personnage avant la chose. Un devant, on va revoir. Arbitre, le deuxième, le muscle. Arbitre, je demande un changement de personnage. Il va viande rouge. Ouais, mais. Ah, le pire pour le fils. Le pire pour le fils. Vous êtes prends bon terrain, là. Quand il écrit ring out, il veut dire que c'est un terrain où il peut voler dehors. Et voilà, c'est bon, faut te repasser la manette là. J'annonce. J'annonce le passage de manette. Un dévore, allez un dévore. Tu vas perdre. Tu vas perdre contre le fils. Tu vas perdre. Voilà, vous avez un coup de bois mon gars. Vous avez un coup de bois d'un kia. On va voir comment ça gagne un coup de bois. Elle prend. Ah, le garçon rebelle un peu. Le garçon rebelle un peu. Elle prend. Et donc. Bon, faut dépenser à bloquer peut-être. Allez. Non, attrapez. Dis bon, mal attrapé. L'attraper. À la pour toi, mon garçon. À la pour toi.
Tiens mon garçon. Tiens, parce que tu le vaux bien. Ok, là tu l'as en plus là. C'est une gâchette plus. Ah non, planer. Ah parce non que tu le vaux bien mon garçon. Oh, mais la police, parce que tu le vaux bien. Merci mon garçon. Ton père est numéro 1 maintenant. Numéro 1. Prochain direct en fait. Ça m'aime. Deuxième round, il bat direct. Ah, voilà pour toi mon garçon. Pourquoi comment ton père t'aime là. Ça c'est le normal ça. Ah bah t'es à côté. Là, il est complet pour là. On va faire 3 en bas. Mais faut 3 en bas pour. Eh, hey, c'est un temps quand même. Hein. Ça va être boom, Kéta. Ah, il invoque Old Might alors. Tu se dis gagne pas. Tiens, mon garçon, tu le vaux bien. Tiens, mon garçon. Tu le vaux bien, mon garçon. Tu me fais d'oreille. Tu le vaux bien, mon garçon. Parce que je t'aime bien. Je t'ai bien éduqué. Mais la dernière cicatrice, pas grave. Tu me fais d'oreille quand même. Bien, c'est Mortal Kombat Ultra Street Fighter 4. En plus, le gars qui est fatigué, le gars est mitra et bouton, c'est tout. Mais le camarade, comment le gars est dedans là. Le gars est bien, il y a qu'un bouton, le gars est bien tout le temps. Lui, il est trop stratégique en fait. La cavalerie là. Le repère de l'Alliance. La cavalerie là. Après, le gars a le bel bouton. Le gars n'a pas. Non, parce que Banaï base pas pour l'anime. Ouais, mais regarde justement dans l'anime, la plupart des personnages là, c'est dans les deux saisons. On va pas regarder l'anime. À la fin saison 3, il y a un gars qui a un espèce de masque en bec. Et le gars est sérieux dans le bandscan, le gars est sérieux. Le gars dans les scanners. Si, mais peut-être c'est lui parce que tu regardes bien la symétrie, il a une place encore en bas à gauche. Mais bon, soit c'est un DLC qui va sortir ou soit c'est. Le gars dans le Marvel scan, le gars il est. Oh, il fait planer, gars. Le gars a un pouvoir qui. Son pouvoir, c'est. Cavalerie. Cavalerie, là, frère. C'est un cavalier, c'est un coup de bois. Voilà, c'est quoi, voilà. Un cavalier, c'est un coup de bois, flambé du bac. Hein. Là, il faut piller pour ça. Enfin, c'est le moment de s'y lire. C'est le moment de s'y lire. C'est bien, mais. Ben. Allez, à smash. Quoi, là, ça doit. Il a déjà un bar, là. Ah, Mathieu, t'es en deux temps. Ben. Bonne famille, c'est loin. Ça s'enchaîne. Les manettes souffrent. Allez. Premier retournement. Premier retournement. Mais t'es serré par contre. Il t'est serré. La tension monte. Je vois. Ah mon pied. Allez, bah tout conclu, hein. On finit le travail. Merde. Esquive. Non, mais elle m'a pas esquivé, mais t'es pas plus simple. Si, on dirait pas la patron, voilà. Pas bon. Patron qui est devant. Patron qui tire à distance, comme un lâche. Comme un lâche. Comme un lâche, si, là. Voilà, que des flammes de loin, comme un lâche. Des flammes bleues. Oh, le match, des flammes bleues. T'as le coup, t'as le coup. Ah là, le flamme bleu. Ah là, le flamme bleu. Ma Dieu, moi. Dieu n'aura le flamme bleu. Que matériel avait deux murs. All Might qui presque. Ça se fait sur un coup, ça va être le dernier coup. Non. Là, les flammes de lâche. Les flammes du lâche. Grande finale, à partout. C'est toujours serré. Technique de lâche, encore une fois. Flamme bleue. Et ben, le gars est assis quand même. Ben, technique de lâche de loin. Fini le mec. La technique. Peut-être un smash de 10 minutes. La technique. C'est le cas. La technique. Les flammes bleues. Il faut une nouvelle la coque, ce gars-là. C'est le seul manier à gagner, ce gars-là. Le gars, le défi de la vidéo, c'est gagner Fatal un round. Pas un round, un match. C'est le match. Allez, choose. Le match pour détruire Fatal. Là, il faut jouer en mode de anti-jeu. Il faut pas roder. C'est pas con. Beaucoup de gars là, ils savent pas rien. C'est pas d'anti-jeu. C'est du jeu. On l'a fait rien contre la gars. On l'a même pas fait chasse, gars. Ça fait partie du jeu. Tu sais du corps à corps ou est-ce que c'est. Du corps à corps énorme. Il battait pas vraiment, les gars. Ouais, corps à corps. En fait, il a fini le masque.
Finis le match, Joe. Finis le match, ou... Allez, c'est joli ça. Peut-être enlever un rouge ou la fin. Ok, je suis en mode. Ah, le gars, quoi, beau, il n'a pas compris. C'est assez joli. Et en fait, c'est pas la corde. En fait, quand le personnage vient rouge et que c'est un coup incalable, c'est un catch. Parce que Shoes va. Allez! Ah, le gars est mal. Il va le gars, non, le gars est mal. Ah, okay. Le gars est mal, gars. Le gars est mal, gars. Le gars est mal. Non, vraiment, le gars est mal. Là, Souga, il va dire si vous le faire. Non, le gars est mal. Sincèrement, nous connaissons ça à peine. Le gars est mal. Non, parce que commence pas des excuses, parce que pas de loin. Non, le gars n'a point, il est pas physique quoi. Trempé. Ça me qui est passé le méga ou. Trempé. On dirait que c'est le méga même ça. Ouais, c'est le méga, ça te met à bas la vie. Ouais, fini là. Ça tient encore la vie. Je pense qu'elle finit. Ah non, après ça, il me tombe, mais il est passé que. Ça c'est rond, ça c'est croix, ça c'est. B. Un début. Elle part à tout là. Bah. Ah, t'as eu la compris un peu technique lui. Attends, je t'en vends, c'est radar. Vas-y, on y est là. Combien faut qu'on ait une tille? Ah ouais. Voilà. Là, si t'as pu tuer là normalement, si t'as pas eu tuer. Ouais. Au revoir, Moussa Fatahou, au revoir. Le gars t'es mort, maman, c'est le gars t'es mort. Le gars t'es mort. On a réussi la vidéo. Merci. On a réussi la vidéo. Merci. Le gars est rouge. Ouais. Bon, je reconnais ma défaite. Malgré le gars t'es mort, mais je dis encore, le gars est mort. Quand même, le gars fait 3 matchs avant de perdre. Quand même. Le gars est mort. Le gars est mort. Le premier round, tu connais le même temps. Je suis content, André. On est de loin. Ah oui. Il fallait éliminer, je sais pas de vous. Il fallait éliminer. Et après, il y a Aveya, après, je vais revenir à Aveya. Bon, allez. Il faut éloigner lui, même si c'est la vitesse sociale. Ça va, ouais, c'est le genre de gars que je trouve fighter, le gars est bien cadeau, Ken. Ah non, franchement, ça m'y arrive pas. Ben, il manque un autre gars aussi, le gars n'a pas de train, il fait son tête à l'école. Là. Le PMV. Ah oui, le petit PMV. Ah, vous savez, vous avez la vraie commenté. Ah, gars, il est le gang, gars. Petit jeu de balle, hein. Franchement, ben, balle. Après, c'est beaucoup de fan service, mais. Mais tout le monde combat les dynamiques et. Mais je pense qu'après si deux gars ils maîtrisent vraiment B technique. Et j'ai pas l'entre l'anti-jeu. Il veut pas de marcher. Pas l'anti-jeu, ça fait pas l'anti-jeu. Ça coule la meilleure bonne flamme comme un gars. Ça fait pas de volonté. Pas la vie, c'est 35 flammes comme un gars. Après c'est ça aussi, peut-être un petit problème d'équilibrage. On en parler après. Ah ben grave, parce qu'il ben, peut pas vraiment en avoir. Si, il est équilibré parce qu'après chaque personnage a son style de jeu, je pense. On regarde Kula prend le gars au début corps à corps. Attends, mais là, 2002, c'est quoi le catch? Même qui même parce que le catch. Ouais. En fait, il prend des coups, même comme. Ouais. Comme on passe trop, mais c'est pas grave. Bah. Mais même le catch, putain, mais ça avait fait, mais il trouve pas ouais. Le. Faudrait peut-être faire un petit entraînement pour avancer. Ouais, ouais, après la pause, là, on va tester, tant qu'on va gagner. Et du coup, après, quoi, lui fait rien que la fin de moi. Merde. Il s'est attrapé, une souris. C'est le méga, ça? Non, on pense pas, mais le tableau là était vraiment bien éliminé. Ah oh, merde! Fini. Devant. T'as juste devant en plus, voilà, tu trappes. Fini. Non? Ah non, ça a laissé un bout. Non, ça finit. Juste devant. Plus ultra, super. Bah nous, la bien gagné. Ah non, c'est qu'on finit un move. Ouais, voilà, en technique. Non, t'as choisi là, on lui laisse normal là, meilleur manuel. Ouais. Parce que normal, j'ai l'impression il est trop facile, la batterie automatique saute. Allez, micro, adore le manga, allez, rapide. Grand Torino. Et pourquoi il y en a deux des coups? Il n'y a pas deux. Il y en a un en ligne, un là. Peut-être c'est un des coups avant et des coups après. Il n'y a que la Médromax, ça va. Le visage n'est pas pareil. Ouais, et il n'y a que la Médromax, mais en fait, il y en a deux des coups. En fait, ça, c'est la saison 1 et la saison 2. Ah, moi, oui. Du coup, moi, je pense que Misa essaye comme ça. Attends, fais l'histoire. Juste peux débloquer Alpha, ouais. Parce qu'elle me pense d'être terrible ambassadeur. Allez, c'est parti. Style de fou pour le papy. Il marche avec la canne, mais. C'est fake. Allez, il y a pas la troisième. C'est elle qui fait pas de gâteau au troisième âge. Papy qui s'est dématé la jeunesse. Ça sent les outils de très tôt. Hein. Il y a calé. Papy qui riposte. Le game a vite hein, plus. Ça fait mal là. Ouh, dommage, mais il est bloqué.
Peine pour la gagne. Encore, manque un coup. Faut me prendre muscle là. Non, pas du tout. On nous l'a coupé, tu peux le battre Nico aussi. Ouais. C'est trop rapide. Rien. Mais juste devant en plus. C'est ultra ça? Ouais. J'ai l'impression. Oui, ça tire main. Elle va pas qu'il la main. Tu m'y es dans le cause. Tu m'y es dans le cause. Tu t'as sommé la barre comme ça. C'était un ATA. C'était une grande difficulté. Ah, oui. En plus, ça, le train m'a même pas le temps caché. Le gars final, ouais. Fait. Yeah. Ah, 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 ah. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû quand même mon bar. Ah, bloqué. Ah, t'es déjà passé ça. Fin du combat. Fin du game. Faut respecter les vieux. Cette petite couasse là. Ah oui, attaque à distance tout, bien. Tiens, qui prend le devant. Attaque de lâche. Non, mais je coupe Fatao, mais je vais pas connaître qui là. Mais je coupe Fatao là, gars. Victoire avant tout. Je vais pas connaître votre qui là. Victoire avant toi alors. Victoire avant tout. De l'anti-jeu, de l'anti-jeu, de l'anti-jeu, de l'anti-jeu, de l'anti-jeu à fond, de l'anti-jeu. Attache le saut. Eh non. De l'anti-jeu. J'ai comme ouvert, hein. Technique. Eh, ouais, mais t'es fait pas ça. Mais il aurait joué comme tout à l'heure, mais il aurait mis juste devant haut, on aurait fait y'a que pour perdre un combat là. Non. Ça même de Bandagoma, c'est que Kobané fait un jeu, Bané garde les mêmes voix. Les mêmes voix que. Ça me trouve le choix, toi. Des fois, comme tu commandes un manga, mais tu supportes pas jouer à un jeu et le voit en anglais ou c'est pas la même voix, hein, tu passes pas. Mais c'est tout pas un manga. Déjà, le premier jeu de Nintendo autant français, comme on aurait été sain, gars. Orochimaru, quand t'es con, t'es dégueulasse, gars. Ah non. Le seul manga qui est en français, c'est très malin comme t'es petit. Par exemple, Nicky Larson. Oui, donc, parce que on l'a Dragon Ball, même Nicky Larson, il dit regarde, franchement. Il m'a même pas quand même. M'a pas touché le gars une fois, on connaît. Le gars il file pas moi. Il m'a pas touché le gars une fois. Enfin. Comment pas trop là. En même temps, pour ce qu'on l'a enlevé, le tomate sérieux là, il perd le corps. Reviens-moi de la situation. Non, normalement, m'esquiver. Ouais, il a pas essayé. Normalement, ah bah non. Non, t'as pas esquivé. Ah, non, ah oui, tout. Plus ultra. Bah, c'est bizarre, pour moi-même, esquiver, mais. Ça, c'est la langue, ça. La langue, il va y avoir. La langue. La langue. La langue dans les eaux. D'où l'expression, la langue dans les eaux. Elle dit, on a point, mais là, on dirait bien que non. Bon, il est prêt là, il est dur. Bah oui, il est corps à corps. Je regarde quand le gars il touche à main, mais il gagne même plus. Il touche à main, non? Ah! Oh! Le petit esquive du crapaud. Le gars est rapide à mon frère. Ah, il est corps à corps, il voit attirer. C'est ça! Ça, c'est le professeur Aizan, voilà ça, gars. Il est pas. Il voit les corps à corps. Gélo, gélo. Allez! Le match est serré, le match est serré. Ah non, là, je pense que le langue n'a pas les os là. Deux plus ultra, c'est pas possible. Et tu fais ça le bel, franchement. Tu fais ça le bel. Ah, ça va, par contre, mais je pense que quand il trappe en haut avec le train, ouais. Il doit s'y. Là, il est vif, il est super vif. Mais franchement, avec ce bon blague là, mais bon, ce sera génial le vidéo, gars. Mon garçon. Mon garçon. Merci, mon garçon. Voilà, on a fait le tour du jeu. Alors, on va passer à notre verdict de fin. On a eu des combats intenses avec des combats passionnés. Passionnés, voilà. Familial. Surtout qu'on est, fan du manga, donc on a aimé le jeu. Alors, Shoes, qu'est-ce que tu penses du jeu? Ben, franchement, le jeu, attendez pas, mais le jeu est super bon, très dynamique.
Après, c'est un jeu pour les fans. C'est, je pense qu'en tout premier, c'est pour les fans. Par rapport aux techniques, par rapport au PSO, pour l'instant qu'on a vu. Et sinon, point fort, ben, le dynamisme du jeu, les techniques qui sont fidèles au manga, les décors et tout ça, ben voilà, toujours tout est fidèle au manga. Point faible, pour aller très vite, je pense qu'il y a peut-être un petit problème d'équilibrage entre certains PSO. Je pense qu'il y a des PSO qui sont un peu au-dessus, et j'ai appris sur tout ce qui est changement de perspective, quand on monte sur les murs, tout ça, pas trop compréhensible. Mais sinon, là, franchement, le jeu est excellent. Le jeu est excellent, sinon. Oui, donc là, on donne tous les points forts et tous les points faibles que vous tirez. Ouais, je alors, pense que ça. Une note, tu dois donner une note sur 10. 7. 7 sur 10. 7. Quand même, c'est un bon note quand même. Donc, il veut dire que c'est un jeu qu'on peut placer dans un bon jeu pour apprécier en camarade. Ah oui, totalement. Alors, Fatao, le guerrier, à vie du jeu. Ben, le jeu... que la soirée. On peut dire ça. Le jeu est bien. En termes de dynamisme, je ne vais pas revenir à ce que je vous ai déjà dit. Moi, je reviendrai juste sur un petit point qui me déplaît un peu, c'est l'animation dans l'écran. En termes de couleurs, ouais, c'est vrai que ben, ça fait des fois. Ouais. Voilà, ça fait un peu trop brouillon et on a l'impression. Trop coloré en fait. Voilà, on a cette chose que nous, fans de l'anime, on aime bien. On a l'impression de regarder le manga pour les fanboys. Il y a trop d'informations dessus. D'accord. Ouais, c'est vrai. Surtout quand on fait place aux acolytes. Ouais. Des fois, les acolytes n'ont pas, enfin, pas apprécié ce qu'ils font au niveau animation, ni on voit pas trop bien en fait. Un peu comme ça se mélange. Ouais. Un peu comme Marvel Capcom en fait, qu'on a les strikers. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. En fait, prend tout l'écran et du coup. Voilà. Et il suffit que les deux joueurs lancent les deux acolytes, chacun un acolyte en même temps, ben, on ne comprend pas grand chose à l'écran. Okay. Cool. Par rapport à l'expérience que j'ai vécue, ben, disons un 8. 8 sur 10, ça, ouais. On me donne un 8 sur 10. Étant fan du manga, et même si on n'avait pas regardé le manga, on trouve le jeu super dynamique. Donc, oublie pas que là, nous la découvre le jeu. Mais si vraiment, comme Street Fighter par exemple, chacun y entraîne Azot et maîtrise bien technique, il peut faire des matchs de fou. Après, moi, le petit point faible, bon, après, c'est le premier jeu, peut-être les normales. Je trouve qu'il manque de personnages. On aurait aimé avoir plus de personnages en fait. Mais après, c'est le premier jeu, donc je pense que c'est normal. Plus de stages aussi. Peut-être qu'il peut débloquer. Bah, si je peux permettre deux secondes, si vous suivez par rapport au manga, on a quasiment tout le monde. C'est ça. Par rapport au manga, il est sûr, mais on aurait aimé avoir plus de personnages. Après, le petit plus qu'on n'a pas montré dans la vidéo, mais que maman avait vu justement, c'est que apparemment, quand on fait le mode histoire et les autres modes, on peut passer de l'argent ou des points. Mais en fait, on peut acheter des costumes et on peut personnaliser chaque personnage après. D'accord. Donc en fait, chaque personnage, on a une boutique et on a plein de costumes différents que on peut changer. Donc ça me trouve les bien pour la personnalisation. Et pour moi, c'est un bon jeu et regarde, on a passé un super moment, on a bien cassé la blague et tout. Et dans une soirée, voilà, il peut être un super jeu. Et à la base, là, quand on est multijoueur, c'est de tester des jeux, ça nous les pousse devant un écran et est-ce que nous amuse à nous ou pas. Et là, nous a bien amusé à nous, faut dire. On a bien kiffé. Voilà. Après, les bonnes outils techniques. Mais à bien regarder, la base est simple. Hein. On a le bouton catch, on a le fury avec la fury avec quoi, deux boutons il sort. Ouais. Deux boutons, la pas de technique vraiment demi-cercle tout ça. Un bouton, les haltères en général, il prend beaucoup de place. Hein, ça. Les coups prennent beaucoup de place. Donc c'est un jeu facile à maîtriser. Même quelqu'un qui a jamais joué de combat facilement. Oui, en 2 minutes, c'est voilà, la base. Deux gros coups de poing, ouais. Ça prend tout l'écran, donc c'est assez facile à maîtriser. On peut être technique, mais c'est un jeu facile à prendre en main pour n'importe quel âge. Ouais, c'est ça, c'est la prise en main, surtout que facile. Ouais. Voilà, donc on conclut cet épisode. Donc c'était très bon. Très sympathique, on a beaucoup ri. Parce que nous là, le but de la vidéo c'était quand même de terminer Fatao, de faire un match, on a réussi. Malgré c'était compliqué, c'était pas facile. Voilà. Malgré cette technique de lâche. Ouais, parce qu'il y a un peu de l'anti-jeu, mais. C'est pas l'anti-jeu, mais c'est ça le fait jeu. Partie du jeu. C'est ce que m'a fait là aussi d'ailleurs. Justement. Donc voilà, on se laisse là-dessus. On se retrouve encore pour un autre épisode des chroniques de jeux multijoueurs qu'on aurait un adieu à jouer. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez un jeu à nous proposer jouable en multijoueur sur un seul écran, ben envoyez-nous un message. Voilà. Ça peut être des jeux récents, ça peut être des jeux rétro. Tant qu'on passe un moment ensemble devant l'écran, un seul écran, et qu'on s'amuse, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, suivez-nous sur Facebook pour suivre l'actualité du jeu vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. A plus. A plus. A plus. Plus ultra.